fous le roi avec 2-8. J'ai une suite au balai. J'en étais sûr, ouais, je le savais. Comment pouviez-vous le savoir? Il n'avait rien sur la table. Parce que Trey ne reste en jeu que s'il a une main du tonnerre. Bon, on va peut-être arrêter là pour ce soir. Nous tenons absolument à ce que vous reveniez. Hé, hey Brian, depuis quand t'es pas rentré chez toi les poches pleines? C'est trop loin, il s'en souvient plus. Ce soir, si tu fouilles dans le sac de ta femme, tu n'auras pas d'excuses. C'est trop... Papa, Stevie arrête pas de m'ennuyer. Il filme tout ce que je fais, c'est nul. Malcolm, lui... Ça va, Stevie. Je ne veux rien entendre. Je te rappelle que tu es notre invité, alors un peu de respect. Un peu de respect? Il était votre invité. Il ne faut pas humilier les enfants, et en particulier les enfants qui ne sont pas les vôtres. Je lui ai présenté mes excuses 2 minutes plus tard. Excusez-moi? Oui, vous et tous vos amis libéraux, le docteur, l'avocat, le dentiste, vous aviez décidé ce soir-là de saigner un gagne-petit, un pauvre crétin de salarié. Je parie que vous avez bien rigolé après mon départ. Écoutez-moi, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. La vérité, vous êtes nul au poker. Oh, c'est faux et blessant. Il n'y a que la vérité qui blesse. Parce que si les règles du poker avaient été respectées, je vous aurais fait mordre la poussière. Mon cher, apprenez que je ne triche pas et que quand on ne sait pas jouer aux cartes, on joue à la marchande. Fais la revanche tout de suite et on verra lequel de nous deux ira mordre la poussière. Je vais vous saigner à blanc. Je ne voulais pas dire que ce que je veux dire, c'est que... Ça suffit, où sont les cartes? Vous suivez? Il se lèche les lèvres quand il bluffe, regarde. Oui, je suis. Je mets 5 et je rajoute 5 de plus. Je me couche. Je mets 10 de plus. D'accord. Suite. Cam flush. Tu veux jouer? Je t'en prie. J'ai pitié d'eux, pas toi? Pas du tout. Bon, ça suffit, c'est le dernier tour. Celui qui le gagne, garde tout. D'accord. Je veux voir. Brelande 5, mon cher. Brelande 5 plus un valet. Hein? Mais ça fait 2-5 de trop, ça. On n'a jamais vu ça, un jeu de cartes avec 6-5. Il vient de la chambre des garçons. Et vous vous prétendez joueur de poker et vous n'avez pas de jeu de cartes. Désolé, Eb, de ne pas disposer d'un jeu de cartes spécial doré sur tranche exactement comme le vôtre. Votre numéro continuel de lutte des classes commence à me fatiguer. Et moi, j'en ai marre de vos grands airs supérieurs. Dans ces conditions, pourquoi êtes-vous venu chez moi? Pour m'asseoir autour d'une table de poker avec mon meilleur ami. C'est vrai, je me faisais une joie de venir jouer au poker avec vous, de rencontrer vos amis. Eh bien, pour tout vous dire, Al, moi aussi je me faisais une joie de passer cette soirée avec vous. Je me suis acheté une chemise. La chemise hawaïenne? Eh oui. J'adore cette chemise. Ah oui, pourquoi se disputer comme ça? Parce que nous sommes des imbéciles. Bon, les enfants, ça vous dirait qu'on aille manger une bonne glace? Ah, en tout cas, moi, ça me dit. Dewey, tu viens? On sort manger une crème glacée. Allez, on y va. Où est ton frère?